jungle et mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon, Groubidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Non, non, Balou, non, ne va pas par là, Balou. Reviens ici tout de suite, voyons, Balou, n'y va pas. Balou, je comprends, écoute ton père. Arrête, Merlou. Oh, mais arrête. Oh, ça y est, je suis propre, tu crois pas? Non, 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 pas encore. Si je t'écoutais, tu serais aussi noir que Mangue la chauve-souris. Ah, je t'en supplie, arrête, ça me chatouille. Oh bon, ça y est, je dois être propre. Mais Mowgli, reviens, ça n'est pas fini. Oui, et ben tant pis. Oh, il ne changera donc jamais. Oh non, Balou arrive déjà. Si je me cache pas très vite, il va me retrouver tout de suite. À moins que... Hé, hey, vite, réveille-toi, j'ai vu un lapin. Hein, un lapin? Où est-ce qu'il y a un lapin? Un lapin? Oh, oh. Hein? Oh, là-bas, un lapin, un lapin. J'adore le lapin. Comment, Mowgli? Mais reviens ici tout de suite. Et voilà. Ah, alors ça c'est pas mal. Pour une fois que tu peux échapper au cours de Balou. Ouais, mais il va peut-être pas apprécier la plaisanterie. Oh, t'en fais pas pour ça. Je suis son élève préféré et Balou, j'en fais ce que je veux. Et en plus, j'en ai assez de ses leçons et j'en ai pas besoin. Bah, ça c'est ce que tu crois. Tu t'es encore enfui, c'est ça, hein? Allez, Mowgli, t'occupe pas d'elle et allons-nous-en. Oui, vous donnez pas cette peine. C'est moi qui vais m'en aller. J'ai tout de même des choses plus intéressantes à faire, moi, que de perdre mon temps avec vous. Non mais, vous l'entendez? Pour qui elle se prend, celle-là? Non mais il a raison. Tu vaux pas mieux que nous, tu sais. Ah oui? Très bien. Dans ce cas, je vous lance un défi. On verra bien qui sera le plus fort. Une chose est sûre, ce sera pas toi. Voyons, Mowgli, enfin, tu n'as aucune chance contre elle. Frère Loup a raison. Tu ferais mieux te sauver tout de suite. D'ailleurs, tu sais, tu ne vaux pas mieux que lui, surtout face à moi. C'est heureux que tu le saches. Qu'est-ce que tu dis? Essaie de me redire ça. Quel petit naïf. Alors, vous relevez mon défi? Si on faisait une course. D'accord. Le premier arrivé au gîte de Mowgli. Tiens, on dirait que Sœur Lou va enfin trouver quelqu'un pour jouer avec elle. Hein? Oh.
pas l'impression que tu es douée pour courir. Pourtant, j'ai fait exprès d'aller lentement. Ah oui? On va voir si tu es aussi douée à la nage. Le premier qui atteindra cet îlot et en reviendra aura gagné. Je te préviens, la nage, personne ne peut me battre. Allez, vas-y, Mowgli. Tu vas gagner. Prêt, partez! De ça. C'est moi le plus fort. Balou. Bah dis donc, il a pas l'air d'être content. Dépêche-toi, excuse-toi. Mais où allez-vous? Revenez. Attends-toi. On dirait que c'est encore moi qui ai gagné. D'abord, c'est pas vrai. Je serais arrivé le premier à la berge si Balou n'était pas arrivé. Pardonne-moi, Mowgli, mais je trouve cette excuse trop facile. Tu raisonnes comme un louveteau. Et je vais dire à tout le monde que tu n'es qu'un enfant. Alors, Mowgli. Je suis désolée, Balou, mais encore une fois, à cause de toi, je me suis couvert de ridicule. Et qu'est-ce que tu fais de tes leçons? Bon, d'accord, je le ferai plus. Bon, alors n'oublie pas, Mowgli. Si jamais tu entends un bruit ou si tu sens quelque chose qui t'est inconnu, ne t'approche jamais pour voir ce que c'est. En ce moment-là, par exemple, tu ne sens pas cette odeur d'appât? Un appât, c'est quoi ça? Je connais pas cet animal. Mais enfin, voyons, Mowgli, un appât, c'est pas un animal. On s'en sert au contraire pour le capturer, l'animal. Ah oui, je vois. Ben, si c'est pas un animal, alors y a rien à craindre. Bon, enfin, Mowgli, tu veux bien essayer d'écouter ce que je te dis? Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Tu dois surtout te méfier quand tu traverses des herbes hautes, parce que c'est là qu'on place les pièges. Et... qu'est-ce que tu as, là? Mowgli! Qu'est-ce que t'as fait? Ça suffit. Allez, maintenant, écoute-moi. Ce que je te dis est très important. Les grenouilles aussi, c'est important. Pourquoi tu me contraries toujours? C'est vrai, à la fin, jour après jour, il faut que je t'écoute parler. Et quand est-ce que je vais pouvoir jouer et danser comme tous les autres? Si tu t'ennuies tout seul et que tu veux parler à quelqu'un, t'as qu'à aller voir là-bas si j'y suis. Mais enfin, voyons, Mowgli, tu as encore des tas de choses à apprendre. J'en sais déjà assez. Allez, ça suffit, hein. Je sais pas ce qui m'a pris. En tout cas, c'est réussi. Maintenant, je te déteste, Balou. Oh, Mowgli. Alors là, bravo, Balou. Ce n'est pas en l'empêchant de jouer que tu vas l'éduquer. Et en plus, t'avais pas besoin de le frapper. Oh, laisse-moi, toi! Attends, Balou! Bah alors, si on peut plus rien lui dire... Oh, tu pourrais pas crier moins fort, dis, tu m'as réveillé. Au fait, pourquoi il est parti, Balou? C'est parce que tu lui as dit des choses méchantes? Mais tu pourrais pas t'occuper de tes affaires? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Excuse-moi, mais si tu voyais ta tête, tu rirais aussi. À propos, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu boire. Mais peut-être que ça aussi, ça te dérange? Aïe, 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 quand je pense qu'il m'a frappé et fort en plus, je me demande bien pourquoi il a fait ça. Hello, Mowgli. Mowgli, réponds-moi. Mowgli. Ça m'étonnerait qu'il me retrouve par ici. Mowgli, je suis désolé. Allez, reviens. Mowgli.
te demande pardon. Allez, montre-toi, Mowgli. Pas question. C'est vrai, il a besoin d'une bonne leçon. D'ailleurs, je vais aller jouer là où même Baloo pourra jamais me retrouver. Oui, mais voilà où je vais aller. Et surtout, Mowgli ne va jamais dans les territoires du Nord. Les territoires du Nord? C'est là que je vais aller jouer. S'il m'interdit d'y aller, il va jamais croire que je lui ai désobéi. Pourtant... Baloo, mais qu'est-ce que tu cherches? C'est toi. Je voulais voir si Mowgli était par là. Mowgli, pourquoi? Il n'est pas avec toi? Non, c'est-à-dire que... Hé, Mowgli! Oh! Tiens, il n'est pas avec toi? Mais dis-moi, il ne lui est rien arrivé? Oh non, non. Mais tu ne l'as pas vu, Bagheera? Non, justement, je le cherchais. Pour lui parler de son ami, il devient de plus en plus impertinent. Avoue que tu l'as cherché. C'est à force de trop les gâter, lui et Mowgli, ils n'écoutent que ce qu'il leur chante. Et c'est toi qui dis ça, Baloo? Bagheera, Baloo et Mowgli sont fâchés? Oh non, non, c'est pas si grave. Ils ont eu une petite discussion. C'est tout. Pauvre Mowgli, je me demande ce qu'il a encore été inventé. C'est ça, les territoires du Nord. Oh, je les ai retrouvés. Oh, c'est beau. Pour convoquer le conseil, il fait encore jour. Très bien, mes amis. Est-ce que quelqu'un parmi vous a aperçu Mowgli aujourd'hui? C'est vrai, en fait, ce qu'il est passé, c'est quand même bizarre. C'est quand même curieux. Peut-être qu'il a... Qu'est-ce qu'il doit bien faire, celui-là? C'est vrai, lui qui court toujours à tort et à travers. Akela. Oui, hein? Nous, on l'a vu ce matin. On a même joué un petit peu avec lui. Mais après, Baloo est arrivé et il est parti avec lui. Je t'en prie, Akela. Je veux savoir où est Mowgli. Baloo. Ouais. Alors? Oui, c'est vrai. J'ai frappé ton fils de colère ce matin. Après, Mowgli s'est enfui et je ne l'ai pas revu depuis. Je sais bien, je suppose qu'il avait encore été indiscipliné, n'est-ce pas? Tu sais, tu n'y es pour rien, Baloo. Ça, c'est bien vrai, c'est sa faute. Il se conduit en enfant, ne faites pas attention à lui. Tu devrais avoir honte. Au fait, ce matin, j'ai senti l'odeur des pièges à loups. Oh, des pièges à loups? J'ai essayé de lui dire qu'il fallait qu'il reste sur ses gardes, mais j'ai dû mal m'y prendre, je suppose. Et à force de lui parler de la dure loi de la jungle, j'ai fini par l'ennuyer, alors il est parti.
C'est moi le seul coupable. Mais peu importe, ce qu'il faut, c'est retrouver Mowgli avant qu'il soit trop tard. Et pour ça, il va falloir que vous m'aidiez tous à le chercher. Je vous en supplie. Vous avez entendu Balou. Il faut qu'on retrouve Mowgli. Et vite. Je te remercie, Balou. Mowgli a de la chance de t'avoir pour ami. Tu sais, s'il lui arrivait malheur, je ne me le pardonnerai jamais. Oh. Hein? Akela, si vous le retrouvez, prévenez-moi. Bon, ben, je vais y aller aussi. Attends. Mowgli va peut-être rentrer tout seul, tu sais. Tu ferais mieux de l'attendre à ton gîte. Oui, mais si pas... Tu discutes mes ordres? Non, excuse-moi, Akela. Alors, tu ne vas pas chercher le petit homme avec les autres, ma belle? Et pourquoi irais-je? Moi, tu sais, je me moque de ce qui peut lui arriver. Oui, ben, puisque tout le monde le recherche, je vais finalement y aller aussi. Fais quand même attention à l'endroit où tu mets les pattes. Bagheera, Bagheera, tu n'es pas avec les autres? Excuse-moi, Akela, mais il y a une chose que je trouve bizarre. Mm-hmm. Pourquoi Balou avait-il besoin du peuple libre des loups pour retrouver Mowgli? C'est une très vieille histoire. C'est arrivé à Balou alors qu'il avait l'âge de Mowgli. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Non, attends. Tu me prends là. T'attrapes pour toi. Ah, non. Tu le fais mal. Oh, bah attention. Tiens, allez, tu l'attrapes. Tu l'attrapes. Ah, je vais t'attraper. Tu cours pas vite, hein. Oh, attention! Jusqu'en haut. Oh, ça alors! Oh là là là! Oh, qu'est-ce que c'est joli tout ça! Attention! Attention! L'arbre va tomber! Arrête! Arrête de se battre! Allez, poussez les enfants. Allez. Balou, reviens ici. Balou était un petit ourson très sauvage. Sa maman avait voulu parler des dangers de la jungle. Il ne l'écoutait jamais. Je suppose qu'il en a été ainsi quand elle lui a parlé des territoires du Nord. Balou, Balou, reviens ici tout de suite, tu m'entends? Balou, pas par là, reviens! Balou, reviens ici! Balou! Ah! Oh! 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 Maman! Maman! Allez vite! Sauvez-vous, dépêchez-vous! Oh, maman! Partez! Oh, non! On ne veut pas te laisser, maman! Oh, vite! Sauvez-vous les enfants! Sauvez-vous! Quand nous sommes arrivés, Balou seul était encore en vie. Sa maman avait lutté jusqu'au bout de ses forces. Nous avons chassé ces coyotes. Et nous avons gardé Balou avec nous. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a enfin compris quelle était la dure loi de la jungle. Tu vois qu'il a des raisons d'être bouleversé. Balou! Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt, vieil idiot? Je t'aurais tout de suite aidé à retrouver Mowgli!
Oh mon Dieu, les territoires du Nord. Jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et Mélo surveille, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon, Groubidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.